Franchement, je sentais bien. Et puis c'est ma 9e transat. T'imagines, c'est ma 9e transat. Le bateau, il porte le numéro 9. Enfin, tout ça, il y a du sens, quoi. Enfin, tu vois, je communique moi avec les. Je suis aware. Non, c'est économique. Mais non, mais quand Alex m'a dit que bon, c'était bon, qu'il voulait bien partir avec moi, franchement, ça m'a soulagé à tous les niveaux, quoi. Et on s'est parlé un peu avant le départ. Je lui dis putain, je suis vraiment content d'y aller avec toi, tu vois. Parce que bah voilà, une Jack Vabre, c'est un engagement quand même, il faut y aller. C'est des courses qui sont quand même très. T'as toujours le bateau en fait à plutôt à 110 degrés des polaires qu'à 90, quoi. Donc du coup c'est de l'engagement. Et le fait de partir avec Alex, toi, c'était une vraie chance et un vrai bonheur, quoi. Et en plus, il est catalan et en plus, il est espagnol. Et tout ça, c'est les mecs du Sud. Et donc, ça fait un peu la nique aux Bretons. Mais bon, hein, c'est comme ça, ça peut arriver. Nous, objectivement, bien sûr, c'est tapé, hein, comme lui, quoi. Mais le bateau, il passait de façon vraiment super à l'aise. Donc, c'était le bon bateau pour la bonne course. Et les bons gars pour la bonne course aussi. Donc voilà. Au Havre, vous nous parlez de vos petits faits. Vraiment. C'est des beaux bateaux, des bateaux que je ne connaissais pas et que j'ai compris un peu le mode d'emploi au fur et à mesure, quoi, parce que comme expliquait Lalou, moi je suis revenu très tard sur le projet et par contre j'étais heureux d'être là et les multis que j'ai navigués, ça fonctionne à peu près pareil. Seulement ça c'est un bateau qui a un potentiel énorme, on l'a vu. Moi je suis certain, même en vitesse on n'a jamais eu de problème et donc même pour l'avenir ça me rassure pour Lalou, pour sa suite sur le rhum et tout ça. Je pense qu'il a un très, très bon bateau, un peu inconfortable, il faut le dire. Un peu un bateau de clochard. On peut pas tout avoir. Mais sinon, c'est vraiment très, très content avec le bateau. Un truc aussi qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas eu aucun souci majeur au niveau technique. Donc une très, très belle préparation. Etienne, il est là et c'est lui qui est en charge avec Vincent, Raph et toute l'équipe. Vraiment mille merci parce que ça aide énormément. Dès qu'on a des soucis, on prend du retard sur les courses. On n'a pas eu un problème, j'ai des petits trucs. Et une très bonne entente avec Lalou, avec le skipper. Donc pour moi, il y a tout, quoi. Tous les ingrédients. C'est dingue. Ça, après, ça c'est la vitesse pure, moi je l'avais dit depuis le début. Ça.